Yes! Santé. Santé? Oui, c'est ça. Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Alors, avec ce projet-là, j'aide les personnes hypersensibles et empathes à s'accepter, à s'aimer et surtout à développer des stratégies pour vivre en alignement corps-cœur-esprit. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en super bonne compagnie. Allô! Allô! C'est mon amie Marie-Ève, photographe. Oui. Marie-Ève a accepté de venir parler avec moi aujourd'hui. Oui. Donc, Marie-Ève, toi, tu te considères hypersensible, empathe? Un peu entre les deux, disons, parce que c'est ça, dans le fond, c'est comme on parlait un peu, l'hypersensibilité, c'est vraiment de sentir vraiment tout ce qui se passe. Oui. Puis l'empathie, c'est d'avoir un genre de petit don que... Un petit pouvoir magique de plus. C'est ça. Ou quelques-uns. C'est ouais. Bon. Oui, c'est ça, les empathes se situent dans le fond à l'échelle, comme à l'extrême de l'hypersensibilité, mm-hmm. Tu sais, mais c'est des spectres, hein, fait que c'est vraiment variable d'une personne ouais. À l'autre, dans le fond. Toi, est-ce que tu te rappelles un moment où tu as pris conscience de ton don? Ben, en fait, c'est que ma meilleure amie est vraiment dans les énergies et tout ça, là, c'était ici. Puis elle m'en parlait, puis j'étais comme, il y a des trucs qui m'allumaient, qu'il y avait des choses qui se passent depuis un peu toujours. Ouais. Que t'as pas une réponse à ça, puis tu te dis, OK, t'es juste un peu weird, ou t'es juste un peu comme offset de tout oui, le monde. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, plus ça allait, plus que tu découvres que, OK, ouais, c'est peut-être y a une raison à ça, puis là, tu t'informes, puis là, tu comprends tout ton univers, là. Mm-hmm. Fait que c'était pas mal ça, ça fait peut-être 3-4 ans environ okay. Que je me suis peut-être plus ouvert à ça, puis un peu plus compris. Okay. Tout ce qui se passait, là. Cool! Mais ça fait toujours du bien, quand même, de prendre conscience, de dire « Ah, OK, tu sais, je suis weird, mais je suis pas la seule. » Non, c'est ça! On est un groupe de weird. Oui, 20% de la population est weird comme nous, non, et hypersensible. Ouais. Moitié homme, moitié femme. Tu sais, je le répète souvent, là, parce que moi, ça m'impressionne de voir que les recherches ont quand même trouvé autant, tu sais, au niveau pourcentage. T'sais. En fait, c'est de savoir que, oui, on n'est pas toutes seules, mais... Tu sais, c'est de s'entourer aussi des personnes ouais. Comme ça qui nous comprennent, parce que comme ça, on a vraiment, tu sais, des meilleures discussions, puis ouais. on est capable de plus comprendre, OK, tu files pas parce que, justement, t'as ressenti trop de choses, ou faut juste que t'ailles dans un autre local ouais. Ou un autre lieu pour juste te regrounder ouais. ou faire un peu le vide de ouais, ce qui se passe. Ouais, nettoyage, puis c'est pas parce qu'on veut pas voir le monde, c'est parce que ça nous affecte un peu trop. J'aime ça ce que tu dis. Ouais. C'est pour ça que j'aime ces rencontres-là, cette situation, moment magique. Oprah, là, ça aussi. Oh, I'm gonna tweet that. Donc, elle a ça sur Twitter. Les citations de ses invités, je vais commencer ça. Oui. Les citations, c'est bon. OK. Donc, toi, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce que tu fais comme travail, puis de quelle façon peut-être ton hypersensibilité se manifeste? Ben, c'est un peu deux questions dans une. Je pense que j'en ouais. ai deux dans une. Premièrement, on va commencer par ça. Est-ce que tu veux me parler de, pour toi, de quelle manière ton hypersensibilité ou tes dons, pouvoir magique, se manifestent ouais. principalement? Ben, en fait, c'est surtout que, vu que je suis photographe, je rentre dans la bulle des gens assez intense. Il y a certaines personnes que je le sais, sont stressées, ils rentrent au studio. C'est la photo... C'est que les stress de ben se faire oui, prendre en photo, ben oui. de ne pas être assez belle. Ouais. C'est ça, la vulnérabilité ben oui. là, s'ouvre à grande porte. Oui, j'ai des frissons, oui. Fait que c'est de les justement, eux, les regrounder, puis de faire en sorte qu'ils soient vrais en avant de l'image. Parce que, je dis depuis quelques semaines, je pense que j'ai vraiment trouvé ma phrase clé, c'est de la photogénie, tu sais, d'être photogénique. J'y crois pas à ça. C'est juste de se reconnecter et d'avoir une connexion avec le photographe. Ouais, avec soi-même, comme tu dis aussi, en premier, d'aller chercher, oui. d'être capable de s'ouvrir, hein, je pense ouais, que c'est ça. C'est fait que toi, ta force d'hypersensibilité, c'est ça, ça, d'être capable d'aller... C'est de savoir que
Tu sais, oui, il faut se reprendre en main, il faut respirer, il faut se reconnecter. Mais c'est qu'après ça, il faut que la personne qui te photographie ou qui te prend vidéo ou qui, peu importe, qui fait quoi avec toi, faut que tu sois capable de... Je le vois comme un lien. Oui, ben oui. Je le vois comme une ligne, une connexion qui se fait entre les deux. C'est vraiment important. Oui. C'est là-dessus que je travaille beaucoup avec mes clients. Cool. Pour comme vraiment connecter à eux, pour que justement que je les amène à être eux. Comme un aller-retour, parce que dans le fond, c'est pas ton énergie à toi non plus. Non. Tu sais, c'est vraiment c'est comme de se nourrir l'un l'autre. Ouais, tu sais. De prendre leur énergie, puis de justement comme... De prendre leur énergie un peu stressée, si on veut. Puis de les remettre un peu plus calme. Puis... Wow! Ah, c'est cool! Fait que c'est ça. Donc, c'est ça, ton travail photographe, puis ton hypersensibilité te permet de... Ben, t'es beaucoup dans la création, c'est sûr que souvent les hypersensibles, on aime être dans la création. Fait que, oui, je trouve ça vraiment touchant. Que moi, j'ai travaillé avec Marie-Ève aussi. C'est vrai que Marie-Ève travaille beaucoup la respiration, puis moi, c'est très important aussi la respiration pour justement se recentrer. Puis présentement, elle doit sûrement sentir que je suis un petit peu nerveuse aussi, mais on essaie de nourrir l'une l'autre, c'est bon, hein? Ça devient neutre. Est-ce que tu voudrais me parler des côtés... est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton travail ou les manifestations de ton hypersensibilité dans la vie en général? Ben, comme tu dis, la créativité, I guess, ça vient avec ça. J'ai aucune idée si c'est inné, la créativité, ou c'est vraiment relié à l'empath puis aux hypersensibles, mais c'est vraiment c'est de s'écouter. Puis de vraiment, c'est une bosse de créativité, si on veut, d'en profiter puis d'y aller. Suivre l'élan. Oui, suivre l'élan. Suivre les énergies beaucoup, là. Oui. L'énergie. On aime ça, l'énergie. Est-ce que maintenant, tu veux me parler des côtés positifs d'être hypersensible? Ben, en fait... Ou empathe, là. C'est ça. Je veux juste repréciser, empathe. Je l'étudie, mais bon, ce que je réprécise, c'est vraiment des gens hyper sensibles, mais on a une capacité de sentir beaucoup les énergies, donc tout ce qui est subtil au niveau de l'énergie de la personne, l'énergie de la pièce, ou même de la météo des fois dans les changements aussi. J'avais lu un livre, c'était concernant justement, pas le serendipities, mais justement, c'était l'énergie quantique puis l'énergie toute. Tout ce qui a rapport à l'énergie, puis il disait justement que nous, on laisse une trace énergétiquement dans où ce qu'on va. Et que c'est de ressentir, exemple, il donnait comme exemple la fumée de la cigarette. Tu le sais quand quelqu'un a fumé une cigarette par l'odeur et par ça. Mais en fait, tout nous, ça reste. Tu sais, là, on va loin, là. Mais c'est ça pareil. Les empathes, c'est un peu ça qu'on peut sentir. C'est la trace actuelle, puis la trace des fois de la personne qui l'a laissé. Tu sais, il disait justement quand tu rentres dans une pièce, puis que c'est lourd. C'est ça. Mais nous, c'est fou. C'est ça qu'on sent. Oui, c'est ça. Donc, les côtés positifs. Ben, c'est sûr que là, on peut... Moi, j'ai de l'anglicisme, là, mais je saisis un peu plus les gens à savoir, OK, c'est une personne qui est super authentique, qui est super, justement, dans l'abondance ou dans l'abondance de, comme, de donner ou d'être accueillant et tout ça. Comme qu'il y en a que ça fait, genre, non, ça, c'est un peu plus comme des... Si on veut des vampires d'énergie ou des trucs comme ça. Fait que de se dissocier puis de juste, c'est beau, je vais aller ailleurs. Trucs comme ça. Fait que c'est de vraiment... Toi, ça t'aide à choisir les bonnes personnes pour t'entourer. Ouais, pour les bonnes connexions et tout ça. Puis connexions, je parle de justement les liens avec les personnes qui font en sorte qu'on s'entraide ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça l'aide pour ça. Ça fait un certain ménage. Fait que on est entouré que de bonnes personnes au bout du compte, fait que c'est ça qui est le fun. C'est sûr que moi, ça m'affecte physiquement, là. Fait que faut vraiment... Tout le monde, Ça me rentre dedans physiquement, fait qu'il faut vraiment que je choisisse les bonnes personnes. Puis souvent, c'est avec eux qu'on fait justement des collaborations puis qu'on se monte ensemble. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Monter les vibrations, on aime ça! C'est pas mal ça, c'est vraiment c'est de choisir les personnes. C'est pas méchant, c'est juste... Non, c'est ça. On n'a rien contre les personnes qui sont dans une énergie plus négative. Ouais. C'est juste qu'on sait que ces personnes-là vont nous tirer vers le bas. Ils sont pas rendus à un cheminement où ils ont envie de monter leur vibration. Ils sont souffrantes, souvent, ces personnes-là. Donc, ils vont dégager quelque chose qui va
nous affecter personnellement. Ouais. Fait que je pense que c'est sans être contre les personnes. C'est comme je dis tout le temps, quand on dit non à quelqu'un, souvent, ben, toujours, c'est de se dire oui à soi quand ouais. on le fait dans l'authenticité. Tu sais. Exact. Et que, oui, c'est ça, les collaborations viennent plus naturellement. Des fois, ça fait tellement. Exemple avec Geneviève Hébert, on est deux graphiste. Métiers. Oui, graphiste. On est deux métiers complètement. Ben, pas différents, mais quand même très différents, mais on a la même. Lignée de pensée. Ouais. Fait que les personnes comme ça, c'est qu'on monte des projets ensemble, puis c'est vraiment. C'est comme ça naturel. Ça va en parallèle, puis c'est vraiment le fun de s'entourer de ces gens-là. Là. Oui. Ça fait plein de fois que je dis ça, mais c'est correct. maintenant, un petit peu plus croustillant, ça serait quoi les défis d'être hypersensible en pâte? T'sais? J'aime pas dire les côtés négatifs. Ouais. Qu'est-ce que tu as travaillé? C'est des défis. Ouais. Là, j'ai découvert une massothérapeute qui m'aide un peu avec mon côté un peu énergétique comme ça. Puis elle m'a montré justement comment faire ma bulle d'énergétique et tout ça. Et que c'est vraiment d'aller voir des gens comme ça, comme un ostéopathe ou quoi que ce soit, qui va vous aider avec l'énergie puis comment faire la bulle. Parce que le défi, c'est ça, c'est de ne pas absorber cette énergie négative-là qu'on ressent parce que c'est pas la nôtre. Non, c'est ça. Fait que c'est de se faire une bulle de protection, puis de... Tu sais, au début, j'étais comme une bulle de protection, c'est un peu ésotérique, c'est comme non. Capsule à venir éventuellement sur ces genres de trucs-là. Fait que c'est de vraiment se créer la bulle, puis de se dissocier des gens, de oui, comprendre ce qui se passe dans la vie des autres, mais pas de l'absorber, puis pas, dans le fond, de l'incarner, si on veut. C'est ça. Fait que c'est vraiment de se dissocier, c'est le plus gros défi. Oui. De tous les empathes, moi inclus. Moi, je fais de l'ostéopathie, fait que je touche aux gens, je suis presque couchée sur eux des fois, dépendant des techniques, tu sais, vraiment très proche. Puis, oui, c'est ça, faut travailler la bulle avant, après, mais c'est possible. De laisser aller tout ça, là, fait que c'est vraiment de faire attention à ça. OK, cool. C'est pas mal la seule affaire... C'est bon. De défi, tu sais. Tu embrasses tout le reste, c'est merveilleux. Ouais. Des fois, il y a des gens qui ont des côtés qui sont plus difficiles à accepter, mais c'est correct, dans le fond, c'est toi, je pense que t'as déjà, tu sais. Ben, c'est de savoir s'écouter son corps. Uh-huh. Tu sais, moi, c'est vraiment drôle, là, c'est ma clavicule. Si ma clavicule me fait mal, si tu me vois me frotter ma clavicule, il y a quelque chose de wrong, tu sais, il y a quelque chose qui va pas bien. Un moment donné, j'étais dans un... C'est peut-être là que j'ai compris tout ce qui se passait. J'étais dans un resto, tout allait bien. Il y avait un papa avec sa fille qui dînait à côté de nous. C'était comme une longue table, puis on avait comme toutes deux par deux. Puis le papa et la fille, ça allait super bien. Puis il y avait un petit couple, puis ils sont partis. Puis il y a deux filles, peut-être début vingtaine, qui sont un peu en crise. Puis ils savent pas trop où aller ou quoi que ce soit. Puis ils ont pas d'identité, mais ils ont pas comme de... Ils ont comme de la misère à savoir où ils s'en vont. Mm-hmm. Il y en a une qui s'est assise à côté de moi. Puis, je te jure, là, 5 minutes après, là, j'avais mal. Puis là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je les voyais sur leur selle, puis que ça se communiquait pas, puis ils avaient pas l'air bien dans leur corps. Fait que, tu sais, j'ai même pas parlé, j'ai même pas regardé à la fille, c'est juste sa bulle qui a affecté la mienne. Wow. Fait que là, ça avait comme, OK, il y a quelque chose. Puis à chaque fois, à chaque endroit, si ma clavicule fait mal... Faut que je me retire, tu sais. Wow. C'est ça qui est bon quand je dis des fois que nos côtés un peu qui nous dérangent, des fois comme j'en parle éventuellement dans une capsule aussi, l'anxiété ou la douleur, on peut s'en servir comme signal d'alarme quand on est assez capable de s'observer. Fait que ça, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. C'est vraiment de voir ces petits signes à nous. Comment notre corps il dit hey, va-t'en. C'est ça. Ou de juste positivement de OK, c'est beau, vas-y, tu sais. Faut comprendre son corps, il nous l'explique. Fait que... Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu aimerais dire aux personnes qui sont pas hypersensibles ou empathes? Ou qui l'ont pas encore découvert. Ou qui l'ont pas encore découvert, c'est ça. Pour être mieux compris, mieux accepté. En fait, tu sais, si vous sortez ou vous êtes entouré de personnes qui est empath ou vous avez un ami comme ça, si la personne vous dit je veux m'en aller parce que je me sens pas bien ou juste je veux m'en aller, il y a peut-être une raison à
à côté de tout ça. Fait que c'est vraiment de l'écouter puis de pas essayer de comprendre tout qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi tu veux t'en aller, on a du fun. Mmh. Puis tu sais, la personne peut-être qu'elle file vraiment pas parce qu'il y a justement trop de bruit, trop de gens, trop d'énergie qui bouge. Fait que peut-être juste de l'accepter. Puis ça serait aussi de dans le fond, juste accueillir comment on est. Puis oui, des fois, on peut être comme super de bonne humeur, un peu comme bipolaire, si on veut, là. Hey, je suis contente que t'en parles, God. Ça. Parce que ça revient souvent, on a vraiment beaucoup de changements d'humeur, ouais. D'une minute à l'autre, presque. Ouais. Puis c'est très normal chez les hypersensibles empathes. Fait que, tu sais, c'est comme, un moment donné, il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, ben là... ça peut faire pas un breakdown, là, mais un... ben, un incident, ou quoi que ce soit, l'énergie est comme plus là. Ça vient de changer, oui. Ouais. Fait que c'est vraiment de faire attention à ça, là. C'est ça. Nous, on prend les choses très personnelles aussi, mais quand nous, on réagit par rapport à ça, peut-être, oh, je suis fatiguée, je vais m'en aller, ben que la personne prenne pas ça comme un rejet, tu sais. C'est vraiment qu'on a atteint notre niveau, dans le fond. Notre quota. Notre niveau maximal avant d'être surstimulé. Non, on a c'est notre ça. Voyage. C'est ça. On veut s'en aller. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, si vous essayez aussi de d'être en connexion avec quelqu'un, puis que la personne, elle veut pas, mais ça marche pas, ça clique pas. Mm. Tu sais, d'être vraiment... À l'écoute. Oui, en effet. Des fois, on a tellement d'empathie qu'on veut essayer de... Ben, c'est ça, que tout le monde connecte avec nous, mais c'est vrai que de laisser aller puis de pas forcer, d'aller vraiment, comme tu dis, de s'entourer des personnes avec qui ça vibre puis qu'on peut monter les niveaux vibratoires ensemble. J'ai une phrase dans la tête, je sais pas si ça se dit. Je sais pas, vas-y, sinon là, tu feras au montage. Si tu forces trop, c'est peut-être parce que c'est de la... c'est de se concentrer sur les bonnes choses puis de justement pas forcer. Pas forcer les choses, oui, pas c'est forcer. Ça, ni les relations. Hey, super! Merci Marie-Ève d'avoir accepté mon entrevue. Merci beaucoup d'être là encore, puis la communauté qui grandit, puis vos commentaires. N'hésitez pas à nous en faire. Marie-Ève, si vous avez des questions pour Marie-Ève, elle va répondre aux commentaires, j'en suis certaine. N'oubliez pas de vous abonner, hein? Un petit clic en bas, puis partagez la vidéo parce que je pense qu'on a besoin de... De se faire connaître comme du monde. Ben oui, de se faire comprendre. Oui, parce qu'il y en a plein... Ils sont en pâte hypersensibles. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas puis ils n'osent pas sortir. Fait que je vais vous mettre des liens aussi pour les sites intéressants si vous voulez faire des tests. J'ai mes anciennes vidéos aussi. Donc voilà, plein d'informations. Puis plein d'autres capsules. Sortons du placard des empaths. Oui, c'est ça! Faisons notre coming out. Sur ça, je vous dis à bientôt puis on se voit pour une prochaine capsule. Bye!